Un peu d'air frais avant de retourner au travail. Alors qu'elle est actuellement en congé, Estelle Denis a décidé de s'accorder quelques jours de vacances bien loin de la capitale. L'animatrice d'Estelle Midi a ainsi pris la direction d'une destination féerique et parfaitement adaptée à la saison, la Laponie finlandaise. Un séjour dont elle n'hésite d'ailleurs pas à partager quelques moments avec ses abonnés sur Instagram. Petit break sur le cercle polaire, a-t-elle ainsi écrit en légende d'une photo où on la découvre avec un gros manteau sur le dos et un bonnet sur la tête. Mais pour ce petit voyage, Estelle Denis n'est pas partie seule. Elle a en effet emmené son fils Merlin, fruit de sa relation avec son ex-compagnon, Raymond Domenech. Habituellement très discret, l'adolescent de 15 ans a également accepté de poser pour une photo en compagnie de sa mère. Sur le cliché publié en story, on découvre ainsi le jeune homme bien emmitouflé dans ses habits d'hiver, permettant à peine de distinguer son visage. En revanche, on peut constater qu'il a bien grandi car il fait désormais une tête de plus que sa mère. Estelle Denis également maman d'une fille, mais Merlin n'est pas le seul enfant d'Estelle Denis et Raymond Domenech. Quelques années avant la naissance de leur garçon, le couple avait en effet accueilli une petite fille prénommée Victoire. Aujourd'hui âgée de 18 ans, la jeune femme n'apparaît cependant sur aucune photo publiée par sa mère sur les réseaux sociaux. Peut-être a-t-elle souhaité faire preuve de discrétion, ou est-elle simplement restée en France? Pour l'heure, le mystère reste entier. S'il y a bien une chose qui est sûre toutefois, si Estelle Denis est très proche de ses enfants. Dans un entretien accordé à Télévision Magazine en février 2022, elle avait par exemple confié que Merlin s'intéressait beaucoup à son émission, et qu'il échangeait régulièrement sur des sujets d'actualité. Mon fils me demande souvent ce que nous allons traiter. Je lui explique certaines choses sur le Covid ou sur les candidats. On parle d'actualité, des élections, il est hyper intéressé. Si estime marrant d'avoir son regard parce qu'à 14 ans, il n'a forcément pas le même que le mien, révélait-elle. But there's all times through the rough times I've been.